Et salut à tous, c'est Kyoshi32 pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour l'épisode 2 de mon let's play sur Pokémon édition version jeune. Du coup on s'était arrêté là, ouais, attendez je me rappelle un petit peu, nickel. On devait se rendre normalement pour notre premier badge normalement, hein. Si je ne dis pas de conneries, ça se trouve à Argenta, voilà c'est nickel. Ok, merde. Allez on se remet dedans, on se remet dans le bain. On va voir ce qui se passe un peu à droite là. Voilà, c'est la reine qui est libre, hein, c'est bizarre d'ailleurs. Je me rappelle plus de ce détail. Hein. Bon, là, il va falloir se préparer parce qu'on va se fight. Hein. On va vraiment se fight en direction Argenta. Attends, on va vérifier si c'est bien là-bas. Argenta, c'est bon, nickel. Allez, let's go. Là, on va vraiment se fight, donc faut porter un peu les couronnes et ça. J'aurais bien aimé... capturer un Pokémon là, mais c'est que des level 2 là, ça fait un peu yesh. Un petit roucoule. S'il est level 6, je... Oh, fais chier, level 3. Vous savez quoi, on va l'attaquer. On va le prendre. Objet. Pokéball. Je sais pas si vous aussi à l'époque vous faisiez ça, mais... Ah merde, ça marche pas. Moi j'appuyais sur les deux boutons de la Game Boy pour... je sais pas si ça marche pour... Ben, pour essayer de l'attraper quoi. Enfin, moi je me disais que ça améliorait les chances en fait. Ça augmentait plutôt les chances. Moi je l'ai tué, bon il méritait pas d'être avec moi, le mec était level 9. Le 3 pardon. Ouais, on va passer par là. C'est qui ça? Il faut voyager loin pour trouver tous les Pokémon. Explorez bien au-delà de la forêt. Ah, bah, c'est prévu mon gars. Vas-tu dans la forêt de Jade, mon poussin? Fais mes attentions, c'est un vrai labyrinthe. Oh putain, je me rappelle, putain, je vais me perdre. C'est horrible la forêt de Jade. Hein. Allez, let's go, c'est parti pour la forêt de Jade. Je suis ici avec des amis. Ils sont ici pour se battre, ok. On va sauvegarder comme si on n'a pas à se refaire le chemin. On va passer par la droite pour l'instant. On va voir un peu ce qui se passe par là. Aïe, aïe, on fait déjà attaquer. Par un... Chenipon. Niveau 5, ça peut être pas mal à avoir. Attendez, si je le tue pas, je vais essayer de l'attraper. On va essayer d'attraper. On va lancer une Pokéball. Je sais même pas en quoi il évolue. En cristallier, non? Je sais pas quoi. Cristallaire, non? Je sais pas. Ah, oh, je l'ai attrapé. Premier Pokémon du Let's Play attrapé. On touche l'appendice. Ouais, vous voulez un surnom? Non merci. Allez, let's go. Oh, il y a un truc ici, on va le prendre. Kyoshi obtient Pokéball. On a été remboursé de la Pokéball. On va faire des techniques, on va mettre Chenipan et tout pour qu'ils prennent la... Qu'ils prennent l'XP. Regardez, attendez. Pokémon. Chenipan, ordre, allez viens ici. Tu vas te lâcher un petit tête là, moi tu prends l'XP. Merde, ne me dis pas que tu vas te faire kill. Oh la chatte. Sécrétion. Quoi, comment ça il attaque deux fois? Bon tant pis, au moins tu prendras l'XP. Merde. On va prendre Pikachu. Je vous ai dit, on va beaucoup se fight hein, dans les forêts, dans les herbes et tout, parce que il faut XP les Pokémon. Hein. La Pikachu gagne 31. Et Chenny. Ah ouais, putain! Il a pas pris d'XP là? C'est écrit quoi là? Est-ce que j'ai acheté des antidotes là? Ah, on va affronter mon premier ennemi. Attends, on va aller. Ah, mais y'a rien. Ah, il veut pas se fight? Je suis à court de Pokéball, je ne peux plus attraper de Pokémon. Il t'en faut toujours un max. Ouais, mais bon, on n'a pas les mêmes moyens, mon gars. Allez, premier fight. Let's go. Attends, je regarde juste si j'enregistre bien sur. Ouais, c'est bon, nickel. Eh, mais tu as des Pokémon, y'a à l'attaque. Ouais, j'ai mis les options, le texte rapide, comme ça, on n'a pas 5 heures à lire. Il y a deux Pokémon, un Chenipan. On va lui mettre une cage éclair dans la gueule, ça va vite le calmer je pense. Oh la violence!
Allez, on l'a paralysé. Maintenant, on va l'attaquer. C'est pas mal la petite cage éclair là. On critique. Allez, let's go. Toi, tu vas au sol. Merci. 79, niveau 9, ok. Après, il faut des level 12, hein, mais il faudrait que je prenne un. Chenipan, il est... Ah, il peut pas se battre. Dommage. Bon, je vais le paralyser aussi. J'espère que ça va marcher. Normalement, ça marche à tous les coups, non? Je suis pas sûr. On va lui mettre une éclair dans la gueule. Un éclair. Il va falloir que j'XP tous mes Pokémon, pardon. Vas-y, je l'ai vaincu. À peine 70$? Mais t'es sérieux, toi? Il m'a pas vu. Bon, vas-y, on va faire. Moi, je prends l'XP. Je suis à deux doigts de mettre une potion pour Chenipan. Comme ça, on XP Chenipan, mais bon, on s'en fiche un peu de ce mec, non? Pokémon, pardon. Oh, il fait chier, lui, par contre. Il se met que de la défense à chaque fois. J'aurais dû le paralyser, peut-être, je sais pas. Ça y est, mais c'est son armure, là. Vas-y, j'aimerais changer de Pokémon, mais il faut que je lui mette de... Vous savez quoi? Je vais le paralyser. Je vais mettre une potion à Chenipan. Mais comment ça? Je l'ai paralysé! Potion. On va le mettre à Chenipan. Ah, je peux pas lui mettre? Ah, ok, ok. Bon, on va mettre un éclair. Hein. Je pense que pour les Pokémon KO. Je peux pas les réanimer comme ça, hein. Pas avec une potion, hein. Je prends un truc exprès, je crois. Allez, ça dégage. Il a encore un Pokémon. Bon, je suis passé level 10. Là, ça XP vite, hein. Non, je voulais pas changer, putain. Allez, on va lui mettre des éclairs, tranquillement. Hop là. Ouais. Je suis un peu dégoûté pour Chenipan, mais après on s'en fiche un peu. En vrai, je sais pas ce que j'ai avec ce mec, mais. Allez, ça dégage. Je crois que je vais évoluer au niveau 12, hein, il me semble. Allez, Pikachu. C'est écrit quoi là? Astuce pour évoluer votre Pokédex, appelez le prof. Quoi? Pour évaluer ou évoluer? Ah, c'est pour évaluer, ok. On peut contacter le prof sur. Oh, c'est cool ça. Ouais, j'ai une potion, ça c'est cool. Est-ce qu'on passe par là? Normalement, j'ai déjà réussi à partir sur de la forêt là. Ah non. On va redescendre par là. Oh shit. Est-ce que c'est un Pokémon intéressant? Un Chrysacier. Oh, ça m'intéresse pas ça. Allez, petit éclair. Ok. Tac. C'est fait, on va se fight. Oh non, putain, je me suis fait prendre par un Pokémon avant. Il y a que de ça dans cette forêt de merde là. Après, pour comme Pokémon bah, type herbe, j'aimerais bien prendre Carapuce et tout là. Non, Carapuce, qu'est-ce que je vous raconte, c'est l'eau ça. Herbivore, oh putain, je me rappelle même plus, oh, le noob. Je me rappelle même plus des noms des Pokémon, c'est vrai, bon. C'est pas grave, on le verra, sans je sais comment à quoi il ressemble. J'en peux plus du tout. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis terrible, tu ne peux pas me battre. On verra ça, mon pote. Hein. Scoot veut se battre. Ouais, bah, t'inquiète pas. Il faut vraiment plusieurs types de Pokémon parce que. Moi, je vais lui mettre une cage éclair, lui. Comme ça, tu peux te battre avec tous les types de Pokémon en face, quoi. Mais pourquoi il arrive à attaquer alors qu'il me dit qu'il peut pas attaquer? Je comprends pas. Ça, c'est incroyable. Hein. Je commence déjà à rager, je suis au début. Là. It's end be alive. Allez, let's go. Chenipan, ça dégage. Est-ce qu'il y avait d'autres Pokémon? J'ai même pas vu.
pas appelé dans un autre Pokémon depuis qu'il vit. Il commence à avoir des bons Pokémon là. Je vais perdre en vitesse. On va bien entendu aussi prendre Dracaufeu. Enfin, Reptincelle et tout là. Voilà, on va essayer de faire le starter là, le top starter. Dracaufeu. Herbizarre, voilà, c'est Herbizarre. Herbizarre. Et Tortank, on va faire évoluer le petit là. On va le mettre en Tortank. Ça serait vraiment le goal. Merde, j'ai mis non. Ne pas apprendre Vive Attaque. Non, apprends-le Vive Attaque. Oui. Mini-queue, rugissement. J'enlève rugissement, je pense. Après, mini-queue, ça enlève la vitesse, non? Ah putain. Je sais pas à quoi enlever la mini-queue. Faudrait que je regarde, mais bon, je peux pas. Rugissement ou mini-queue là? Oh là 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 là. Bah vas-y, on va enlever rugissement, si tu veux faire. On va apprendre vis attaque. Je sais pas si ça sert à quelque chose d'apprendre des attaques comme ça là. Au moins une attaque normale qui n'a pas besoin d'électricité. Moi ouais, je me suis compris, mais t'inquiète. Allez, let's go. Bon, y a pas moyen, j'enlève pas cage éclair ou quoi. Je suis un noob, mais pas à ce point quoi. On va pas enlever cage éclair ou attaque éclair. Astuce. Interdiction de capturer les Pokémon d'un autre dresseur. Oh, on a compris ça. C'est dommage ça d'ailleurs. C'est genre tu gagnes un mec et genre tu le prends son Pokémon comme dans Fast Interviews là. Non, c'est pas dans Nintendo Sword Feed là, je sais pas quoi là. Soit... où tu prends là, tu peux prendre les véhicules du mec quand tu le gagnes. Nintendo Sword for Speed, pardon. Il y a quoi comme Pokémon à Chenipan? On va tester Vive Attack. Mini-cut, on va tester mini-cut, on va mettre ce cage éclair. Comme ça on est tranquille. Hop là. Et on va tester mini-cut, ça fait quoi déjà? Ça enlève la défense, non? Ouais, nickel, j'ai gardé le meilleur. Là j'ai mis un attaque éclair. On va tester vive attaque aussi. Ouh là là, ça enlève beaucoup. Bon, on a carry ça tranquillement, 112 XP. Mais avant t'avais la part d'XP hein, là, on l'a plus. Enfin, on l'avait pas à cette époque. Allez, on va se casser cette... Oh là là. Dis-moi que c'est un bon Pokémon à prendre. Niveau 3, putain, c'est pas possible. On met une attaque éclair, hein, on va plus pas en... On n'en parle plus, hein, comme on dit. Est-ce qu'il prend de l'XP en... Ouais, 22 à peine. Oh là là, mais c'est pas possible, ils vont pas me laisser tranquille. Pour avoir des chenipans niveau 4, ça sert à rien. Bon, je vais pas affronter quelqu'un d'autre, parce que j'ai plus de points d'action, là, points de pouvoir. Astuce, pour éviter les combats, ne marchez pas dans les autres. Ah, j'ai réussi. As-tu remarqué les buissons sur la route? Une technique secrète de Pokémon peut les couper. Ouais, je sais. De nombreux Pokémon vivent uniquement dans les forêts ou les cavernes. Cherche bien partout pour tous les avoir. Tous les avoir, pardon. On va sauvegarder. On a déjà presque une heure de jeu, on a rien fait. Ah, il y a une... une grotte. Vas-y, on va y aller hein, tranquillement. Ah, nous sommes arrivés à notre première ville. Astuce, chaque Pokémon prenant part au combat, même pendant une seconde, gagne de l'XP. Ouais, mais ça me l'a pas fait. On va aller soigner les Pokémon. On va parler un peu avec eux. Lorsque Rondoudou chante, tous les Pokémon piquent du nez. Moi aussi. Les sons de Pokémon sont formidables. Ils soignent les... Ah mais c'est merde, je savais ça, putain. Allez, soigne-moi les Pokémon, s'il te plaît, gratos. Merde, j'ai pas soigné. Allez, hop là.
nickel, j'en ai deux. Thanks. Allez, on se casse. Lui, qu'est-ce qu'il va me dire, le petit? Il y a de très bons dresseurs par ici. Ils sont scouts pour la plupart. Pierre de l'Arena. Ah ouais, c'est Pierre. Hein. Est-ce qu'on va tenter Pierre maintenant, là? Il y a moins de le... Non, il n'y a pas moyen de le gagner, je pense pas. On va s'entraîner un peu, là. Un Pokémon apprend les attaques en gagnant des niveaux. Mais certaines attaques ne sont enseignées que par les dresseurs. Merde. Les Pokémon sont plus faciles à capturer une fois endormis ou blessés. Ah, d'accord. Ok, ok, pas de soucis. On visite un peu, hein. L'arène doit être plus haut, normalement. Là, t'as le shop. On va s'acheter des Pokéballs, je pense. Acheter Pokéball, potion. Carte de sortie, ça peut être pas mal, ça, pour le. On l'achètera après ça. Ah, c'est ça, c'est les réveils. Les réveils, ça te réveille ton Pokémon quand il est KO. Je vais en acheter 3. Ok, ça c'est cool. Corde de sortie, je vais en acheter une déjà. Ok. Potion, je vais en acheter. Bon, je vais acheter le max. On n'a plus de sous. On se retrouve à découvert, déjà découvert. Bon, tant pis. Hein. Il y a la reine ici en bas. Je vais voir un peu ce qui se passe là-haut. Je m'en rappelle plus trop. C'est quoi ça ici? Le ticket pour un enfant, 50? Non. Pas pour l'instant. Je sais pas ce que c'est, mais on verra. Attends, normalement, t'as une pancarte ici, ouais. Musée des sciences d'Argenta. Ah, c'est le musée des sciences, ok. Regardons un peu la map. Objet, carte. Ah, ils sont bien à Argenta. Du coup, pour la droite. Là, t'as le plateau Indigo, je sais pas ce que c'est. Elle est pas si grande que ça, la map, hein. Regardons notre Pokédex. J'en ai vu 7, j'en ai pris que 2, ok. Ah, donc je suis pas obligé de les prendre, ok. Ouais. Nickel, c'est bon. On va visiter un peu ici. C'est quoi ça? Nidoran assis. Notre Pokémon est un échangé. Un échangé, pardon. Il est difficile à maîtriser. Un Pokémon échangé avec un autre joueur. Il grandit vite, mais il fait rien qu'à sa tête pendant les combats. Si seulement nous avions des badges. Ah bah passe-le moi ton Pokémon, non? Ah, il y a la carte, c'est bon, nickel. Ça... Là. Ouais, on prend le temps de le visiter, hein, ça me rappelle l'époque. Là, par la droite, ça mène où? Avis, on nous signale des voleurs de fossiles de Pokémon sur le mont Sélénite. N'hésitez pas à contacter la police. Et là en bas t'as une... Je sais pas comment y aller d'ailleurs. Faut passer par la gauche. Là il me semble que c'est pas la pension en bas là. Ici là. Le mât et le gris de la roche. Comment tu peux rentrer par là? Ah c'est là. Là c'est la pension il me semble. Non? Tu sais que ce que je fais... Je vaporise du repousse pour éloigner les Pokémon de mon beau jardin. Et tu veux pas me la prendre, ça repousse d'ailleurs? Attends. Merde, je mets oui à chaque fois. Non. Il veut pas me la prendre, ok, pas de soucis. On se casse. Bon, est-ce qu'on va tenter l'arène? Notre premier badge? Elle est où l'arène déjà? Allez, à la gauche là. Bon déjà on va s'entraîner avec les... parce que t'affrontes pas directement le boss, il me semble que t'as plein de... T'as un chemin à faire quoi, avant l'arène. On raconte que les Mélophées sont les habitants de la lune. Ils sont apparus après la chute de la pierre lune sur le mont Sélénite. C'est bien l'arène ici, arène. Ok c'est Pierre. Qu'est-ce qu'il va me dire lui? Salut graine de champion. Je ne suis pas dresseur, mais mes conseils sont avisés. Laisse-moi te mener à la victoire, ok? Allez, en voiture, Simon. Ça va être dur pour ton petit Pikachu ici. L'électricité est sans effet sur les Pokémon du sol. Ah, donc tu me conseilles de...
Tu me conseilles de... Ah, mais sinon j'en étais sûr, faut que je prenne de l'eau, je crois, il me semble. Parce que je vais quand même essayer de détruire quelques sbires à pierre. De pierre. Comme ça, on prend de l'XP. Oh là là, c'est top picker, niveau 9. Ah, mais est-ce que si je le paralyse? Ah merde, ouais, bah, j'ai pas d'effet. Ok. On va se prendre une branlée, hein. Merde, je voulais pas faire ça. Un éclair dans la gueule. Ah merde, je peux pas! Donc l'électricité, ça a vraiment pas d'effet sur les mecs du sol, ok. Vive attaque. Allez, on va essayer. Ah, ça marche bien, hein. Vive attaque encore une fois. Et il va me le tuer. On va mettre Chenipan. Normalement, on va le détruire là. On va mettre une charge dans la gueule. Il va me one shot le bâtard. Ah non, c'est bon. Allez, ça dégage. Au moins il prend de l'XP. 156, c'est nickel. Level 6. Il va appeler qui ça bla... Oh là là. On va se prendre un KO là. Aïe aïe aïe. Il me reste un d'XP. Vas-y, on va te faire tuer, c'est pas grave. Comme ça, on respawn directement au centre Pokémon normalement. Voilà, nickel. Normalement, mes Pokémon sont bien là. Ouais. Bon, l'objectif, ça serait de choper des Pokémon là. On va passer par le haut, voir ce qui se passe. On peut pas poser. Ah, je sais pas quoi faire. Est-ce que je retourne dans la forêt pour XP, mais sinon, dans tous les cas, il agit pas pour mon Pikachu. Du coup, on va monter un peu par là, voir ce qui se passe. Ah, on doit couper ici, putain, ça fait chier. Là, on va passer à droite. T'es un dresseur, Pierre cherche un adversaire. Non, mais c'est bon, j'ai compris, gros. Qu'est-ce qu'il a? Je vais me faire démonter là, le mec il me ramène là où je me suis fait soulever par ses potes là. Si t'es forte, t'as pas tort. Alors, bah pire. Ou t'es mort. Et si il a m'insulté lui. Je sais pas quoi faire là pour battre pire. Hein. Va falloir que je chope des Pokémon et les entraîner. C'est qui lui? Non, il va. Mais je vais lui péter la gueule. Je vais lui péter la gueule. Le mec, il m'envoie à chaque fois. J'aurais pas dû lui parler. Putain. Ouais, mais je peux pas le battre là pour l'instant. Ton pierre de merde. Pikachu, ouais, il est pas terrible hein, face à la roche là. Du coup, tu vas me laisser passer. Sinon, je vais péter un câble. Ah, il veut pas. Ok. Donc je suis forcément obligé de retourner derrière, ok, pour XP. Ah, je suis coincé dans une boucle là, la boucle temporelle, hein, comment dire. Vous savez quoi, on va redescendre. On va XP tranquillement dans la forêt. Mais le problème, c'est que je dois prendre des trucs herbes alors. Dans la forêt, c'est ça le bail, hein, je crois, hein, à faire. Hein. J'ai capté, j'ai capté. Ok, on va redescendre. Peut-être ici il y a des bons Pokémon à prendre. Ça veut dire qu'il n'y a aucun Pokémon. Ah. On va prendre des Pokémon herbe, hein. Ça va être nos premiers Pokémon. Ratata, ça m'intéresse pas. Ouais, Ratata, ça m'intéresse vraiment pas, donc. Quand on va prendre Chenipan. Allez, tu vas te le faire normalement. Normalement, level 8, il va prendre sa spécialité là. Je vais mettre sécrétion, je sais pas ce que ça met, sécrétion.
Ça enlève la défense, non? Ah non, la vitesse. Allez, let's go là. Pardon, j'ai loqué. Un 12 XP à peine. C'est quoi ça? C'est un rhino. Un dinorant, ça je vais le prendre par contre, je crois. Est-ce que j'allais mettre Pikachu? Je pense pas. Le problème c'est qu'il va se faire one shot là. Bon, on va le mettre quand même, c'est pas grave. C'est quoi déjà gros yeux? Père en défense. Oh le bâtard, il m'a niqué mon chenipan. Je vais te le paralyser et je vais le capturer. Hein. Un petit Pokéball. Tranquillement. Dinorant, tu vas être à moi normalement. Yes, je l'ai. Le profit de Dinorant est transféré. Dinorant, pardon. Ses grandes oreilles sont toujours dressées. S'il est menacé, il se défend avec un dard vénineux. Putain, ça c'est intéressant ça. Non, je veux pas de surnom. Merci. On va essayer d'XP un peu, désolé, mais bon, c'est comme ça Pokémon. Hein. On peut pas avancer sinon. Ah, c'est un dinorant ça. Femelle ça. C'est quoi, on va. Est-ce qu'il est toujours paralysé? Ah merde, il est paralysé, putain. On va quand même le mettre. On va essayer de prendre l'XP. On va remettre Pikachu. Normalement, il va prendre de l'XP là, Dinorant. On va mettre une vive attaque dans la tête, ça va comprendre. On le bouge de là. Genre? Ça le one-shot pas, putain, la honte. Ah, il a pris 16 XP, c'est cool. Non, je vais revenir dans la forêt. Me lâcher ta gros tête, je pense. Au moins, on a un Pokémon en plus. Oula. Niveau 4, putain, mais ils font chier avec leur niveau 4 de merde. Il est toujours paralysé le dinorant là. Il m'enchaîne. Il m'enlève ma vitesse. C'est vraiment une bataille d'infirme. À la Swiss Park. Allez, let's go. Allez, on le termine tranquillement. Merci. 14 points. Nickel. Bon, pour s'entraîner ici, c'est pas terrible, hein, en tout cas. Merde, je vais le one shot, tu con. Ah, c'est Nidoran! Moi je disais Dinoro. C'est Nidoran, ok. Oh, il se fait enchaîner par contre là. Oh, il reste un PV. Il va l'avoir? Yes. S'il te plaît, pas de fight. Ok. On va revenir, on va aller soigner, on va s'entraîner avec les, dans l'arène. Hein. Au pire. T'as cette musique qui me rappelle quand je jouais sur le Game Boy Color là. Ah là là, l'ancienne, hein. Putain. Alors on va soigner nos petits Pokémon. On en a 3 maintenant. Sun, soigne.
On va pas tant de niaiser. Non, je pourrais battre le premier mec dans l'arène là. Normalement, ça va me faire de l'XP. Je vais lui mettre que des vives attaques dans la gueule avec Pikachu. Hein. Let's go. Allez, allez là, on va se venger tranquillement. J'ai un mal de cou là. Il a que deux Pokémon en plus. Hein. Une vive attaque dans la gueule, ça passe crème. Voilà, on va mettre KO tranquillement. Ça c'est fait. Oh, on est monté au level 12. On va changer de Pokémon, comme ça on va prendre du XP. On va mettre Magnidoran pour l'instant. Vas-y, on va se fight, hein, comme des hommes. Hein. Allez, c'est près des griffes. Ouh là là, ça fait mal. Oh, ça fait pas grand chose, hein, le petit Nidoran, il fait pas grand chose. Hein. Match Nidoran. Qui a un one shot dans son... On va lui mettre une sécrétion. Comme ça, ça va aider Pikachu à le finir. Voilà, finis-le tranquillement. Maintenant, on met le petit Pikachu. Il va attaquer dans ta gueule et normalement. Ouais, normalement on va l'avoir tranquillement. Au pire, je vais mettre une potion là parce que ça fait mal aux fesses. Nickel. Non, j'ai mis éclair. Oh le noob. Ça va me coûter la game, je crois. Le petit sablette là. Sablette. J'aurais dû mettre une potion, il y a un one shot. Aïe aïe aïe. Petite potion, normalement, ça passe crème. Est-ce qu'il va me tuer là? Non, c'est bon. Oh, j'allais mettre l'erreur, j'allais faire l'erreur. Allez, ça dégage. Oh non, même pas. Il m'aurait clairement tué là si j'avais pas pris la potion. Pikachu gagne 178. Et les autres? Et les autres? Ah, parce qu'ils se font tuer. Oh, mais je suis un mongol, putain. Oui, je viens de Mongolie, oui. Ah, il y a directement Pierre après. Attendez, je vais faire soigner les Pokémon. Du coup, faut que je mette le Pokémon. Après, il va se faire one shot après. Avec, contre Pierre là. Faut que je mette le Pokémon, puis je change le Pokémon avant qu'il meure, quoi, en fait. Non, c'est pas là où je voulais aller. Pierre, je suis pas sûr de pouvoir le battre à ce stade-là. On va les soigner tranquillement. Quelle fatigue. Désolé. Allez, let's go. On va essayer d'affronter Pierre pour l'instant, mais je pense pas pouvoir le battre. Mais il n'y a aucun moyen de s'entraîner à part gagner 10 expériences. 10 expériences, pardon. On va payer le musée là, voir ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce qu'il y a à me dire lui? Ouais, c'est un souligne fossile. Ah ouais, chaud le fossile, magnifique. Le Ptera est un Pokémon rare et ancien. Tu penses qu'on peut l'avoir? Je sais pas. Ouh là là, quel magnifique. C'est magnifique ça. Le fossile de Kabutops.
C'est un Pokémon rare et ancien. Ah, donc ils existent alors. Nous faisons une exposition sur l'espace. Les météores sont tombés sur le mont Célestine. Ah, Pierre de Lune, il parle. C'est quoi déjà Pierre Lune? Je me rappelle, ça fait quoi? Pierre Lune. Ok, c'est quoi ça? C'est un truc d'espace. Même lui, il est vénère. Hein. J'aimerais avoir ton Pikachu, mais il t'aime trop. Je veux un Pikachu. Ok, ok. Bon, 50 euros pour ça? Bon, c'est intéressant. Moi, je sais qu'il y a Pierre Lune à prendre au monde céleste, je sais pas quoi là. Ou en céleste, je me crois dans One Piece, quoi. On va essayer d'affronter le petit Pierre, hein. Sinon on va s'entraîner comme des bonhommes. Hein. Je suis champion, je crois en la grande résistance de la pierre. C'est pourquoi mes Pokémon sont des élémentaires de pierre. Tu veux toujours te battre avec moi? Très bien. En garde. Il va vite m'envoyer à l'hosto. On va rien comprendre, je vais rien comprendre à ma vie. Là. Après, il a que deux Pokémon. Hein. Rakayu, c'est un level combien? Ah, il y a level 10. On va essayer de mettre une vive attaque. Aïe aïe aïe, c'est pas très efficace. Bon, je peux clairement rien faire en fait. Ah, il va m'envoyer à l'hosto. Hein. Bon, c'est pas grave, au moins je prends de l'XP normalement. Va falloir que je chope un Pokémon haut, je pense. Hein. Il va me one-shot mes autres Pokémon. Bon, c'est pas grave. On tente quand même une cage, mais bon, ça va pas marcher. Ouais, ouais. C'est pas grave, c'est pas grave. J'espère que je vais quand même prendre de l'XP. Ah, il va me one-shot le bâtard. J'essaie d'aller au mont, je sais pas quoi là. On va essayer, hein, parce que. Pour l'instant, on peut pas battre le champion là. Je dis pas que je vais pas gagner d'XP là par contre. Je fais part sa défense. Bon allez, on va clairement aller à l'hosto, mais bon, c'est pas grave. On va essayer de s'entraîner au mont, je sais pas quoi là. On va essayer de le trouver. Parce que là, pour l'instant, Pierre il est trop fort pour nous. Hein. Se démolir par Pierre là, à Tauron quoi. Kyoshi n'a plus de Pokémon. Par la droite, c'est rien. Bon, je peux clairement pas aller à droite parce qu'il faut battre Pierre. Là-haut, il n'y a rien parce que je peux rien faire pour l'instant. Ah, je sais pas quoi faire là. Ah, t'as le musée. Au-dessus, t'es quoi? T'as rien, putain, pas possible. Je sais clairement pas quoi faire. Je sais vraiment pas quoi faire là. On va retourner en arrière, on a peut-être raté un truc. Ouais. On peut pas y aller. Vas-y, on va descendre tranquillement. Toum, toum, toum. Ah, pourquoi je peux pas aller dans cette forêt là? Là, je peux pas couper là? Vous savez quoi, on va aller dans la forêt. Non, il y a des dresseurs qu'on n'a pas affronté. On n'a pas encore affronté. On va se fight. Oh, j'ai rushé ça, il y a personne qui m'attaquait. Tu vois ici là, j'ai même pas pris ça. Que c'est un gros Pokémon là. Ah, un Roucool. Niveau 6 je vais le prendre. On va faire entraîner Doran.
On va mettre un peu de dégâts là. On va mettre un peu de dégâts. On va mettre une petite charge. Oh la pute. Il m'a fait perdre en précision le bâtard. Putain. Oh le bâtard avec sa tornade. J'aime bien la tornade moi. Je trouve ça stylé. Ça fait mal hein. Mais what? Mais tu vas me laisser t'attaquer là? Vas-y, on va mettre Chenipan vite fait. On va lui charger. Ah merde, on peut pas. Voilà. Objet. Pokéball. Ah c'est bon, on l'a eu, ça c'est bien. Moi avec Tornade ça peut aider hein, contre les Pokémon de pierre là. De nature très docile, il préfère jeter du sable pour se défendre plutôt qu'attaquer. Non on va pas renommer hein. Bon y a-t-il des gens à battre là? Encore un Rookool sérieux? On va appeler Rookool. Non, il me l'a tué. Non, il me le one-shot, il me one-shot pas, one-shot pas, putain. Qui pique de guille là. Allez, let's go. Une tornade. Une petite charge. Enfin, les débuts sont difficiles hein, quand tes Pokémon sont nazes comme ça. C'est horrible. Hein. C'est quoi, on va appeler Pikachu parce que là. Allez, 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 faut se motiver là. Éclair dans ta gueule, ça fera pas de mal. Pikachu gagne 31 d'XP, donc les autres gagneront rien en fait. Vas-y, on va s'entraîner, hein, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, là on pourra bien s'entraîner. Il suffit juste que je mette Nidoran ici, hop là. Son armure de merde là, il fait chier lui. On remet Pikachu. Attaque éclair au calme. Au moins il va pas résister ouais. One shot. Pikachu gagne. Nidoran gagne 20 points. Ah il passe au niveau 7, c'est cool ça. Bon, on va revenir sur nos pas. Je me suis pas battu non mec. Si. Je vais mettre une potion sur Nidoran. Ah, je veux pas faire ça. Je vais le remettre Pikachu, comme ça on XP tranquillement. Bon là c'est une petite séance XP tranquille. Hein. Faut bien passer par là hein, dès le début. Après désolé si j'ai pas les refs comment battre directement Pierre, mais bon. On fait comme on peut. Hein. On fait comme on peut. Parce
on va remonter. Pokémon. On va remettre une dent. Faut que je trouve une solution là, faut que je trouve une solution. Peut-être à chaque fois tester contre Pierre, mais je sais pas si je gagne de l'XP quand je me fais éclater, quand je me fais éclater comme ça. Je suis vraiment pas sûr. Et là on a fait gagner 30 XP à Nidoran. Un petit chenipan là. Niveau 3, donc je vais mettre Nidoran aussi. On va se battre avec Nidoran un peu là. Bon, un peu ce qu'il donne là. Ce point d'XP, ça c'est pas mal. Hein. Bon, allez, on va retenter un combat contre Pierre là, c'est quoi? Bon, on fuit pas, on prend l'XP. Hein, on prend l'XP. Oh là là, c'est quoi ça? Allez, je le veux là par contre. Hein. Ah, j'ai eu la chance là. Vive attaque, peut-être ça va passer. Me tue pas s'il te plaît. Ouais. Niveau 9, c'est intéressant. Hein. Mettre un éclair dans la gueule. S'il te plaît, ne meurs pas. Non, putain, le noob. Je suis un noob, sérieux. Oh, je suis dégoûté, je le voulais. Un recul. Ah, ça va, ça commence à augmenter les levels là. Et quoi, je vais le prendre le level 8, je pense. Oh là là. Il fait rager au coup avec son jet de sable. Hein. Bon, c'est quoi, je vais mettre Pikachu parce que là, comme ça m'énerver. Un éclair dans la gueule, il va vite se calmer. On va essayer de l'attraper, je pense. Oh bah il meurt direct, ok. Pikachu level 13, c'est pas mal ça. Niveau 8, Nidoran, c'est cool. Nidoran apprend coup de corne. Ok, ok. Vas-y, on va tranquillement aller voir Pierre. Level 3, bon, on va quand même faire combattre Nidoran, mais bon, pas très intéressant le level 3. Hein. Mettre un coup de corne dans la gueule. Putain, même avec ça, j'arrive pas à le tuer, sérieux. La ton, quoi, la ton, quoi. Parce qu'on prend pas d'XP avec les petits Pokémon de merde comme ça. Ratata, niveau combien? Niveau 4. On va fuir. On va attendre qu'un Pokémon level 8 apparaît. Comme ça on va le prendre. Niveau 5, c'est pas intéressant. Dites-moi qu'il va y avoir des Pokémon là.
Ratata. Enfin, un nid de rang level 4. Pas terrible ça. Pas terrible. Faudrait peut-être que je le fasse dans la forêt, ça, non, plutôt. Dans la forêt, il y a plus de gros monstres, de gros Pokémon. C'est quoi, je vais le faire dans la forêt. Ah non, quoi que level 7 là, c'est intéressant. On va se battre avec Nidoran, on va prendre l'XP. Quoique. Je vais quand même mettre un éclair, comme ça il se calme. Oh, ça va, tu veux direct. Allez, un petit level 10 là. Encore un Nidoran femelle. Au niveau 6, c'est intéressant, hein. Ça prend de l'XP. Hein. On va mettre Nidoran. Là. Ah, désolé, hein, mais bon, l'esprit c'est ça. Hein. Je sais pas si avec les autres, avec les autres l'esprit que vous avez déjà vu en. Sur YouTube et tout, je sais pas si. Je sais pas s'il laisse ces moments comme ça, mais moi je. Je le fais à ma manière tranquillement. Sinon, ça me tient à cœur, comme j'ai dit, ce putain de jeu. Allez, let's go. Je vous promets, on va essayer de le prendre la pierre là dans cet épisode. Mais bon. C'est un peu chaud quoi. Il va me tuer Pikachu là. On va faire soigner les Pokémon et on va tenter, mais bon, j'y crois pas trop. Hein. J'y crois vraiment pas. Ça sera dans le prochain épisode, hein, certainement. C'est bon, ils sont soignés tranquilles, ils vont se casser. Vas-y, on va retourner voir Pierre, on va voir ce qui se passe. Vous savez quoi? On va voir un peu ce qui se passe, on va essayer de le battre là. Mais bon, ça j'ai un mal de coups en plus. Allez, vous savez quoi? On va save ici. 1h23 déjà de jeu, je suis encore naze, putain, c'est assez rare là. Je suis Pierre le champion. Allez. Tenter, sinon ce sera dans le prochain épisode. Allez, mon petit Pikachu là. Allez. Il fait mal, hein, Rakaillou. Hein. Oh, je suis en train de lui démonter son Rakaillou là, par contre. Hein. Allez, vive attaque. On va mettre une potion. Je sais même pas s'ils peuvent prendre des potions les ennemis. Normalement oui, hein. Je suis pas sûr. Allez, son racaillou, on va détruire son racaillou là. Une potion dans la prochaine attaque. Petite potion des familles. Aïe aïe aïe. Putain, on va le battre là? Ah merde, il a un autre Pokémon, je suis con. Ah là, le coup critique est mamie. J'aurais dû mettre une potion peut-être. S'il te plaît, fais pas de coup critique. C'est bon. Allez, une petite potion. Un caillou, je l'ai soulevé. Petite attaque, vive attaque là. Allez. Ah putain, il reste si peu de vie. Ah, il s'est raté. Yes. Lui, c'est fini. Lui, c'est fait, on n'en parle plus.
Pikachu qui gagne 183 d'XP. C'est qui Onyx déjà? Est-ce qu'on va tenter, vas-y, on va tenter de changer Pokémon. Oh shit, c'est l'évolution! Ah merde, j'ai pas mis d'autres Pokémon. Bon, vas-y, c'est quoi? Vive attaque. Aïe aïe aïe. C'est quoi patience? Allez, allez, Pikachu, allez. Ah, c'est pas très efficace, hein. Oh putain, Onyx envoie la sauce. Potion. Pikachu s'est remis tranquille. Oh, il a choué. Vive attaque, allez. Il y a moyen de gagner, hein. Non, je pense pas en vrai. Mais si j'améliore mes Pokémon de mon côté là. Et bon, ça me tient à cœur de tout filmer, donc je sais pas si je vais XP de mon côté après cet épisode. Je vais peut-être le battre là. C'est quoi ça? Oh shit! Mais what? Il m'en reste 10, que 10 de vive attaque. Parce que 10 vite attaque là, faut faire gaffe là. On voit la sauce, je vais quand même mettre une potion. Hop là. Et sans doute mettre un réveil s'il me tue mon Pikachu. Mais ça va vraiment être chaud là. J'ai plus de vive attaque en fait. Allez, allez, coup critique s'il te plaît. Yes! Allez! Comme ça, après, je vais faire mini queue. Comme ça, je vais baisser la défense de l'adversaire pour mes prochains Pokémon. Je vais faire ça comme solution. Ça va marcher normalement. On est pas loin de le battre là. Il me reste deux vives attaques. Après, je vais faire mini queue. Et normalement, on se le fait normalement. Allez. On voit la sauce, ok. Est-ce qu'on met une potion là? Vas-y, on met la dernière potion sur Pikachu. Ok. Non, qu'est-ce que je fais? On va lui mettre que des mini queues. C'est hyper grave de défense. Vas-y, allez, let's go. Ah, la petite tactique, hein. On va se faire le badge là, normalement. Là, je lui enlève grave de défense et mes prochains Pokémon, ils vont lui mettre tarif, hein, normalement. Allez. On va lui mettre tarif après, là, normalement. Si ça se reset pas. C'est quoi ça, 15 points? Ah, j'ai trop mis mini queue, je crois, ça marche plus. On va mettre le plus fort, hein, Nidoran. Allez, à toi de jouer, Nidoran. Je compte sur toi. Allez. Ah, oh oui, ça va marcher. Ça va grave marcher là, grâce à Pikachu. On va avoir le badge. Allez, dégage. Yes. On l'a eu, gros. Ça, c'est la tactique. Je l'enlève sa défense, moi, avec Pikachu. Dis donc, il prend 100. Il va être... Oh là là, niveau 9, c'est nickel, putain. J'ai vaincu Pierre, là, les gars. Je suis content. En quelque sens de ta victoire, voici le badge Roche.
Tu peux me passer un petit racaillou là en plus. Les Pokémon de son détenteur deviennent plus puissants. La technique flash peut être utilisée. Yoshi gagne 1000, putain, 1000 dollars. Il y a plusieurs types de dresseurs dans le monde. Tu sembles être un dresseur d'exception. Va à la reine d'Azuria pour tester tes capacités. Yoshi reçoit la CT-34. Une CT, capsule technique, contient une attaque à enseigner à un Pokémon. Une CT ne marche qu'une fois, alors choisis bien le Pokémon à qui la donner. CT-34 contient patience. Donc Pokémon absorbera les dégâts pour ensuite infliger le double. Ah, ça peut être très très bien pour Cristallier, non? Vu que c'est un mec de la défense. Est-ce qu'il me dit qu'il existe multiple? Oh merde, merde. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Azuria, c'est où Azuria? Bon les gars, on a eu notre premier bat, tiens. Je vais juste voir où c'est Azuria. Ouais, c'est là-bas. Ok. Bon, je suis content là, on va vite soigner les Pokémon. Du coup ouais, on va les soigner. Je sais pas qui apprendre à qui apprendre le truc patience là, ça peut être intéressant. Hein. Puis on va les soigner, on va s'arrêter là pour le deuxième épisode. Qui se conclut sur un petit bad, hein. Ouais, c'est important les attaques avec effet, genre enlever la défense et tout, c'est très important ça. On l'a vu en direct là. À bientôt. Pour l'instant, Flash, je vais la prendre à personne. Faudrait juste que je regarde depuis combien de temps j'enregistre. Attendez, je regarde vite fait. Oh là, ça fait une heure là. Tu sais quoi, on va sauvegarder ici. Et on va faire le mont dans le prochain épisode, le mont je sais pas quoi, attendez, je vous dis le mont. Merde. Le mont... Comment ça s'appelle ça? Le mont Sélénite. On va se faire ça. On va sauvegarder ici. On va se mettre là comme ça là. Allez, let's go. J'aurais dû peut-être acheter des trucs, bon. Attends, on va acheter, on va sauvegarder. Comme ça on a des trucs pour le chemin. Ah, je suis content, on a détruit Pierre là, grâce à Pikachu. Je suis sûr qu'il fallait garder mini queue, c'est important. On va acheter des Pokéballs. On va en acheter 4. Potion, on va en acheter. Ah, je peux en acheter qu'une, ok. Ok, on a 4 Pokéballs pour le mont là plus tard. Ah, je suis vraiment content là, le premier badge. Très très cool. On va se regarder ici, allez. On va se laisser les gars, c'était Kyoshi32 pour vous servir, deuxième épisode du Let's Play Pokémon Jaune. Et on se retrouve au prochain, si Dieu veut. Allez, ciao.